Voilà le jeu qu'on a envoyé, voilà, dans sa petite boîte à chaussures. Et le jeu qu'on a reçu. Je suis Claire, je suis enseignante en CPCM2 à l'école du groupe scolaire du Plantino à Saint-Étienne-au-Temple, dans la Marne. Nous avons participé au concours de la GMF, Trace ta route avec Max, où il fallait créer un jeu de société et nous avons gagné cette année le premier prix. Nous avons commencé par un travail de groupe pour laisser les élèves s'exprimer. C'était libre cours à leur imagination, comment on pouvait créer un jeu de société sur la sécurité routière. Le groupe a pu venir au tableau pour présenter son jeu, sa mécanique de jeu, et on a posé des questions pour un petit peu voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Donc c'est un projet qui prend beaucoup de temps, beaucoup de séances, qui apporte aussi beaucoup de choses, tant pour les enfants, ils ont appris énormément de choses sur la sécurité routière. C'était un travail complètement d'équipe, de cohésion de la classe, c'était tous ensemble pour créer quelque chose, tous ensemble avec l'espoir d'y arriver et de réussir.